Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une très petite série de vidéos où j'enseigne l'unité des relations linéaires. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors en fait, dans cette deuxième vidéo, je vais enseigner le troisième thème, le troisième et dernier thème de l'unité qui est celui des relations linéaires. Après cette leçon, on va pouvoir tracer un graphique à partir d'une équation et résoudre des problèmes à l'aide du graphique d'une relation linéaire. Okay? Alors on passe tout de suite au premier exemple. On te dit que, alors dans ce premier exemple, le son voyage à une vitesse de 1500 mètres par seconde dans l'eau salée. On peut exprimer cette relation par la formule d égale 1500 t, où d est la distance parcourue en mètres et t est le temps en secondes. Créer une table de valeurs, utilise seulement des nombres entiers. Alors ici, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ouais, tant qu'à faire, pourquoi pas, on commence à zéro. Commençons à zéro. Alors à 0 seconde, le son, lui, aura parcouru eh ben, 1500 fois t, donc 1500 fois 0, ça me fait 0 mètre. Okay? Ça a du sens parce que 0 seconde représente le point de départ. Et ça a du sens que le son n'aura pas eu le temps de voyager aucune distance. Maintenant, lorsque le temps est égal à une seconde, okay, alors là, lorsque une seconde s'est écoulée, en une seconde, selon notre formule, 1500 fois 1, le son aura voyagé une distance de 1500 mètres. Okay. Après 2 secondes, 1500 fois 2, le son aura voyagé de 3000 mètres. Aura voyagé une distance de 3000 mètres. Après 3 secondes, le son aura voyagé une distance de 4500 mètres. Okay? 1500 fois 3 qui me fait 4500. Et en fait, je constate que pour chaque seconde, le son voyage 1500 mètres de plus. Donc 6000 mètres pour celui-ci et 7500 pour celui-là. Okay? Cette augmentation, encore une fois, de 1500 mètres chaque seconde, elle est représentée par ça. Okay? En fait, ça correspond au coefficient de l'expression. D'accord? Ok, alors là, qu'est-ce qu'on te demande de faire? On te demande de tracer un graphique à partir des paires ordonnées de ta table de valeurs. Maintenant, moi, mon problème, c'est que, en fait, ma table de valeurs, si je veux dessiner mon graphique, il va falloir que j'efface les valeurs de ma table de valeurs. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais retenir ces valeurs en tête. Alors, lorsqu'on dessine un graphique, surtout lorsqu'on a un contexte comme ce dernier, il y a quelques règles à suivre. Okay. Alors, la première règle, c'est que notre colonne de gauche, ça, c'est ce qu'on appelle la variable indépendante. Et les valeurs de la variable indépendante vont toujours aller sur l'axe horizontal ou ce qu'on appelle aussi l'axe des abscisses. Désolé, ça c'est temps. Est-ce que c'était en... Ouais, non, temps, voilà. C'est temps en secondes. Ok. Et l'autre règle aussi, alors non seulement nos valeurs vont aller, nos valeurs de la variable indépendante vont-ils aller sur l'axe horizontal, mais en fait il faut aussi étiqueter l'axe horizontal. Ok. Bon, alors ça c'était pour l'axe horizontal. Maintenant, la colonne de droite, dans ce cas-ci la distance, ça c'est la variable dépendante. Et normalement la variable dépendante, on va la mettre sur l'axe vertical. Okay. L'axe vertical. Donc ici j'ai la distance. Okay. Et ça c'est en mètres. Et je vais même rajouter en milliers. Parce que là, ça va m'éviter de devoir écrire par exemple 3
3000, 4000, je vais plutôt écrire 3, 4, du moment que je comprends que cette distance-là, elle est en milliers. D'accord? Alors, on avait 0, 1, 2, 3, 4, 5, je pense qu'on était allé jusqu'à 5 secondes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, oui, effectivement, on était allé jusqu'à 5 secondes. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que chaque arête représentera la moitié d'une seconde. Donc 1, 2, évidemment ça c'est le 0. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Okay. Évidemment, vous, dans vos notes, vous allez vouloir faire ça un petit peu plus clairement et proprement. Moi, je suis un petit peu limité parce que bah, j'écris à l'aide de ma souris, donc c'est pas très joli. Mais vous, assurez-vous d'avoir un petit peu plus de clarté et que ce soit bien lisible, d'accord, dans vos notes. Bon. Et notre distance, alors on était passé, alors 1500, et je me souviens, si je me souviens bien, on était passé jusqu'à peut-être 7500, c'est ça? Oui, effectivement, on était passé jusqu'à 7500, donc disons 8000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va marcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Et maintenant, la dernière règle à retenir, c'est que tout graphique a besoin d'un titre. Et en fait, le titre, quand tu le lis, tu devrais voir ce que tu t'attends. Ben, tu devrais comprendre ce que tu vas t'attendre à voir dans le graphique. D'accord? Alors, ici, c'était quoi? Ben, on avait le son qui voyage dans l'eau salée. Alors, distance en fonction de temps. Okay? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que. Ça sera le distance parcourue ou distance voyagée ou distance, c'est ça, distance voyagée. Qu'est-ce qu'on avait utilisé comme verbe ici? Voyage. Alors le son voyage à une vitesse de 1500 mètres. Ok, alors distance parcourue. Ok. Distance parcourue. Par le son dans de l'eau salée de l'eau salée. En fonction du temps. Voilà. Okay. Alors encore une fois, dans vos notes, assurez-vous que c'est bien clair. Moi, je suis désolé, encore une fois, je suis limité parce que j'écris à l'aide d'une souris. D'ordinateur. Alors ici, ce que ça dit, alors distance parcourue par le son dans de l'eau salée en fonction du temps. Okay? Et alors là, on avait dit que au tout début, on avait un point à 0,0. Après une seconde, on était rendu à 1500 mètres. Donc voici le point là. Après 2 secondes, on était rendu à 3000 mètres. Après 3 secondes, on était rendu à 4500 mètres. Après 4 secondes, on était rendu à 6000 mètres. Et après 5 secondes, on était rendu à 7500 mètres. Donc voilà. C'est bien cette ligne-là. Voilà. 7500 mètres. Okay. Alors voilà, voici notre graphique. Okay, alors on avait identifié le temps comme étant la variable indépendante. On avait identifié la distance comme étant la variable dépendante. Car, en fait, désolé, peut-être qu'il faudrait que je clarifie ces idées-là ou ces concepts. La distance que parcourt le son dépend du temps et non l'inverse. Okay? Le temps
ne dépend pas de la distance que parcourt le son. Alors déjà, logiquement, quand tu y penses, ce dernier énoncé n'a pas de sens. Okay? Le temps ne dépend pas de la distance, mais plutôt l'inverse. Hein. C'est la distance que la distance parcourue par le son va dépendre du temps qui s'est écoulé. D'accord? Alors, aussitôt que tu identifies cette relation-là, alors qu'est-ce qui dépend de l'autre? Alors, cet aspect ou cet élément qui dépend de l'autre, c'est la variable dépendante. Et cette variable dépendante, elle est toujours, toujours, toujours sur l'axe vertical, okay? C'est-à-dire l'axe des ordonnées. Tandis que la variable indépendante, c'est le temps, et celle-là, elle sera toujours sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. D'accord? Maintenant, serait-il logique d'ajouter d'autres points entre ceux du graphique? Explique pourquoi. Alors, ok, encore une fois, je ne vais pas écrire parce que ça va prendre trop de temps. Je vais tout simplement vous le dire comme ça et à vous de noter ça dans vos notes. Est-ce que ça a du sens de mettre d'autres points entre ceux du graphique? Alors, la réponse, c'est oui. Oui, je peux avoir des points entre les points dans le graphique parce que le temps s'écoule de manière continue. Okay, s'écoule de manière régulière et continue. D'accord? Ça veut dire qu'entre une seconde de temps et 2 secondes de temps, on a un nombre infini de temps. Ça veut dire que j'ai 1,01, 1,02, 1,03, ainsi de suite. J'ai 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, etc., etc. Donc oui, en fait, je pourrais mettre d'autres points entre ceux du graphique. Alors, par exemple, on avait vu que entre 0 seconde et 1 seconde, on était passé, okay, entre 0 seconde et 1 seconde, on était passé de 0 mètres à 1500 mètres. Eh bien, dans le graphique ou sur la grille, je peux avoir un point entre ces deux-là. Par exemple, à 0,5 secondes, le son avait parcouru une distance qui est égale à 750 mètres, soit la moitié de 1500. D'accord? Alors oui, on peut avoir des points entre ceux du avoir d'autres points entre ceux du graphique. Maintenant, on te dit, calcule la distance parcourue par le son en 3,5 secondes. Alors nous, notre formule, c'était la distance est égale à 1500 fois le temps. Okay? Alors j'ai donc, quelle est la distance parcourue en 3 secondes? Donc je remplace monté par 3,5 et j'évalue. Okay. Maintenant, à 3 secondes, j'avais vu que j'étais rendu à 4500 mètres. Okay. Alors après 1 seconde, c'était 1500, après 2 secondes, c'était 3000, après 3 secondes, c'était 4500, et après 4 secondes, on est rendu à 6000. Okay. Alors là, la question, c'est entre 3 et 4, donc à mi-chemin entre 3 et 4, quelle était cette distance? D'accord? Alors à mi-chemin entre 3 et 4 secondes, quelle était la distance qu'avait parcouru le son? Alors toi, tout simplement, tu peux faire 3 fois 1500, qui est 4500, et 0,5 fois 1500, qui est 750, comme on l'avait déterminé tout à l'heure. Et donc la somme de 4500 et de 750, eh ben, c'est 5250. Okay? Alors après 3,5 secondes, le son avait parcouru 5250 mètres. Okay? On passe au deuxième exemple. Alors effectue les étapes suivantes en utilisant l'équation linéaire y égale à moins 3x plus 4. Alors crée une table de valeurs. Utilise des nombres entiers positifs et négatifs et 0 comme valeur de x. Alors en fait ici, voilà les valeurs de x. Et donc les valeurs correspondantes de y vont être, alors lorsque j'ai x égale à moins 2, quelle est la valeur de y? Alors moi je sais que moins 3 fois moins 2, ça me fait plus 6. Hein. On se souvient que le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Donc plus 6, plus 4 qui me fait donc 10. Et je vais faire la même chose avec moins 3. Moins 3, désolé, moins 3 avec moins 1. Moins 3 fois moins 1
plus 4 égale. Alors moins 3 fois moins 1, ça me fait plus 3. Et plus 3 plus 4, ça me fait 7. Lorsque x est égal à 0, y est égal à, et ben, moins 3 fois 0 c'est 0, plus 4 c'est 4. Lorsque x est égal à 1, la valeur de y, elle, est égale à, alors, moins 3 fois 1 c'est moins 3, moins 3 plus 4, je suis rendu à 1. Alors en fait, j'aperçois ici que ma régularité, c'est qu'à chaque fois que j'augmente de 1 dans la valeur de x, ma valeur de y, elle diminue de 3. Okay? Donc je m'attends, alors regarde, 10 moins 3 c'est 7, 7 moins 3 c'est 4, 4 moins 3 c'est 1. Donc 1 moins 3, j'atteins moins 2. Et moins 2 moins 3, j'atteins moins 5. Okay? Ok, est-ce qu'on va nous demander de mettre ça sur un graphique? Ah là là, oui, on va nous demander de faire ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais recopier. Ouais, je vais recopier ça rapidement ici sur le côté. Donc j'avais 10, 7, 4, 1, moins 2 et moins 5. Et là, ça c'était les valeurs de y. Et les valeurs de x ici, j'avais commencé à moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Bon, voilà. Ok, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir effacer ça pour pouvoir accéder à ma grille. Bon. Alors, trace un graphique à partir des paires ordonnées de ta table de valeurs. Donc, voici notre table de valeurs et on veut tracer un graphique. Alors, en fait, je suis désolé, j'aurais dû vous donner plutôt un plan cartésien ici. Mais vous savez quoi? Ouais, en fait, c'est un petit peu problématique. Moins 2, 10, moins 1, 7, etc. Alors, je vais peut-être choisir d'aller avec quelque chose comme ça. En fait, je vais juste tout simplement dessiner mon plan cartésien. On avait commencé à moins 2, donc peut-être un truc comme ça va aller. Ouais, tant qu'à faire, ça va aller, ouais. Ok, je sais. Voilà ma ligne droite, donc oups. Voilà. Donc voici l'axe des abscisses et voici l'axe des ordonnées. Okay. Et là, tout simplement, je vais mettre les points. Alors j'espère que là, j'ai mis assez de points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, chaque arête ou chaque longueur ici représente une seule unité. Alors par exemple, ça c'est 1, 2, 3. Okay. Et ça aussi, 1, 2, 3. Okay. Alors ici, moins 2, 10. Alors moins 2, et on avait dit, bah, j'avais compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici moins 2, 10. Moins 1, 7. Moins 1, 7. Moins 1, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1. Voilà, 1, 1. 2 moins 2 et 3 moins 5. Wow, tout juste, tout juste. Bon, alors voici mes points sur un plan cartésien. D'accord? Ok. Alors, quelle est la prochaine question? Alors, on te dit quoi? Déterminer la valeur de y de la paire ordonnée. Ok, alors tout simplement, voilà, c'est tout. Alors, on voulait tout simplement que tu traces un graphique à partir des paires ordonnées de ta table de valeurs. Alors, voilà tout ce qu'on a fait. On a créé un plan cartésien et on a tout simplement mis ces couples, ou ces paires ordonnées plutôt, sur le plan cartésien. Ok? Déterminer la valeur de y de la paire ordonnée 11x.
y. Alors en fait, on te dit lorsque x est égal à 11, quelle est la valeur de y? Alors moi, je vais juste. Voici mon équation. Y égale à moins 3x plus 4. Y égale à moins 3x plus 4. Alors on te dit que lorsque y est égal à 11, quelle est la valeur de. Non, désolé. Lorsque x est égal à 11, quelle est la valeur de y? Ok, alors tout simplement évaluer. Alors moins 3 fois 11, ça me fait moins 33 plus 4. Alors quand on est à moins 33 et qu'on augmente ou qu'on va dans le vers le haut, par exemple de 4, on atteint donc moins 29. Ok, alors voici la valeur de y lorsque x est égal à 11. Alors voilà tout, merci beaucoup d'avoir suivi ces deux vidéos-là et c'est tout pour cette unité. À la prochaine, merci, au revoir.